sur Marcus Coco. Do maintenant au milieu du terrain. Do pour Benjamin Angua dans le rond central. Angua qui joue latéralement sur Lucas Do. Do qui écarte à droite, c'est bien vu. Il y a Jimmy Briand qui est tout seul le long de la ligne de touche. La poitrine de Briand, le ballon qui ne sort pas. Centre instantané de Briand. Il y a Diallo qui contrôle ce ballon, qui frappe maintenant. Oh là 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 là. Sweet Fanta Diallo, il est là. Extraordinaire. Le premier but de la saison de cette Ligue 1 2016-2017 est signé Mustapha Diallo. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a sorti, Mustapha Diallo? Un but de très haut niveau de Diallo sur un centre de Jimmy Briand. Il a contrôlé ce ballon de l'intérieur du droit. Il était seul à 20 mètres. Il a laissé ce ballon rebondir et il a catapulté un coup de compas. Celui qui d'habitude fauche les adversaires. Mais celui-là, il a fauché le ballon. Il l'a envoyé directement dans la lucarne de Subasic après moins d'une demi-heure à Monaco. Diallo, sa majesté, permet à Guingamp de mener à 0 à Louis II. S'il vous plaît. Marcus Coco pour Lucado dans la surface de réparation. Lucado qui va redresser son centre. Deuxième poteau. Le deuxième but Guingampais. Ils sont plus dangereux dans cette première demi-heure. Et c'est Sloan Priva qui continue sur sa forme olympique du début de saison. Il avait marqué 5 buts en amical. Le voici maintenant à un but en Ligue 1. Le superbe déboulé de Marcus Coco sur le côté droit. Le petit ballon en profondeur pour Lucado qui avait poursuivi son effort. Le petit centre piqué second poteau qui lobe tout le monde, qui lobe Glick, qui lobe Subasic, et Sloan Priva qui arrive à angle fermé pour frapper au fond des filets. 2 à 0 pour Guingamp dans ce début de saison totalement fou du côté des Côtes d'Armor. 38ème, 2-0 pour en avant. Soirée complètement débridée ce soir sur le Rocher.